elle était très belle. Elle l'était. Jusqu'à ce que ce porco la déshonore. J'aurais préféré qu'il la tue. J'aurais préféré qu'il tue la mia amata. Même ceux qui l'avaient vu grandir ont ri quand il lui a craché dessus. Et il souriait quand on lui a passé la... Oui, je comprends. Vraiment. Ma Livia a été innocente. Ma famille aussi a été trahie. Et pendue. Le bourreau me surveille depuis sa demeure, du haut de cette colline. Il menace de me pendre si je coupe sa corde. Quand tu seras prêt, descends-là. Je vais m'occuper moi-même de ce bourreau. Eh bien, on casse tout prêt. Respectez les autres idiots. Il a perdu la tête. Il est en retard. Et elle est sûrement très belle. À quoi ça rime? C'est le diable incarné, ma parole. Hein? Tu as fait du bon travail. J'ai déjà fait mieux. Tout ça. Requiescat in pace. Allez, mes frères. Allez, mes frères. À vous de jouer. Si tu fais ça, tu risques de me jeter. On se reverra en enfer. Si je vis, tu mourras. Tu descends ou tu es mort. Il me sent pas. Je vais me cracher. Hé, Desmond. Je ne sais pas si tu cherches un indice laissé par 16, mais la dernière fois, ça a plutôt bien marché avec la vision d'aigle. Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose. Je peux savoir pourquoi. Une police de quartier. Tout homme capable de porter une arme. Mon cuir n'est pas moisi. Et mes cottes de mailles ne sont pas rouillées. Ezio, je suis surpris de te voir ici. Tu ne m'as pas fait demander? Mais non. La nouvelle de l'attaque de la villa a fait le tour de la cité. Nous étions persuadés que tu étais mort. Pas encore. Je me sens même très vivant. Les Borgia ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Suis-moi. Et pour une fois, fais en sorte de ne pas trop attirer l'attention. Pour qui me prends-tu? Tu devrais songer à t'acheter tout ce qui te manque. Tu ne vivras pas longtemps à Rome sans équipement. J'ai ma lame sur moi. Les choses vont changer, c'est inévitable.
et les gardes ont leurs armes à feu, grâce à l'argent des Borgia. Heureusement, je suis là. Grazie. Vu que tu es mon débiteur, peut-être écouteras-tu la voix de la raison. Si je l'entends, je te fais signe. Tu as ma parole. Il faudrait être fou pour passer devant... Bene. Maintenant, tu vas pouvoir regagner Florence sain et sauf. Sauf que ce n'est pas là que je me rends. Ah. Il n'y aura de paix que si nous nous dressons contre la famille Borgia tout entière, et contre les Templiers qui les servent. Tu n'as pas fait montre du même courage à Monteriggioni. Comment aurais-je pu me douter qu'il me retrouverait si vite, et qu'il tuerait Mario? Rodrigo s'est entouré de serpents et de meurtriers. Il a fait de sa propre fille, Lucrezia, l'une de ses armes les plus redoutables. Mais même elle fait bien pâle figure à côté de celui qui a commandité l'assaut de la villa. Son ambition, sa brutalité et sa cruauté dépassent l'entendement. Il se moque bien des lois des hommes. Il a assassiné son propre frère pour accaparer le pouvoir. Il ignore la peur et la fatigue. Ceux que son épée épargne s'empressent de le rejoindre. Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Et il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du pape. Que compte-t-il faire de ce pouvoir? Où puise-t-il sa force? Je n'ai pas encore de réponse. Mais Ezio, Cesare a des vues sur toute l'Italie. Et à l'allure où il progresse, celle-ci lui sera bientôt acquise. Est-ce de l'admiration que j'entends dans ta voix? Sa volonté fait loi. C'est une qualité plutôt rare par les temps qui courent. Ce ne serait pas mieux à cheval. Rome est très vaste. Cesare est en train de conquérir la Romagne. Le pouvoir des Borgia s'étend un peu plus chaque jour. De fait, ils se sont arrogés les quartiers stratégiques de la ville. Nous ne pouvons utiliser les écuries. Oh, tous doivent se plier à leur volonté maintenant. Mais que veux-tu dire par là, Ezio? Tu sais très bien où je veux en venir. Est-ce qu'au moins tu as un plan? Non, j'improviserai. Cet homme. Il pourrait être ici. Ne t'échappe pas. Les alliés des Borgia ne connaissent pas la peur. Qu'est-ce que tu attends? Fuis-le, Paolo. Les alliés des Borgia, qu'est-ce que tu attends? Ne le lâchez pas! Les alliés des Borgia ne connaissent pas la... Qu'est-ce que tu attends? Tue-le, Paolo! Qu'est-ce que tu attends? Tue-le, Paolo! Les alliés des Borgia ne connaissent pas... Ne le lâchez pas! Encerclez-le! Qu'est-ce que tu attends? Tue-le, Paolo! Les alliés des Borgia ne connaissent pas la peur! Lâchez pas, laissez-moi partir. Là-bas, c'est lui. Attrapez-le. C'est toujours lui.
Ne sois pas naïf. Ce n'est pas en tuant une poignée de gardes que les habitants te laisseront utiliser leurs écuries. Tu as raison. Il faut leur envoyer un signal. Attends ici. Son Excellence a fait voter une nouvelle loi qui profitera à tout notre bon peuple. À partir d'aujourd'hui, certaines maisons et échoppes seront accessées à la police. On dirait que les écuries sont maintenant ouvertes aux clients. Après toi. Le Saint-Siège a entériné le nouveau code de conduite vestimentaire, ainsi que les sanctions condamnant toute provocation considérée comme grave en public. L'une des toutes nouvelles dispositions concerne la longueur des manches. Mesdames, vous êtes priées de ne... Pour ouvrir les blessures, Ezio. Mais sais-tu aussi les refermer? Je m'attaque au cœur de la maladie, pas à ses symptômes. Viens-en au fait, veux-tu? D'accord, parlons sans détour. La mort de Rodrigo Borgia n'aurait rien réglé. Permets-moi d'émettre des doutes. Regarde cette ville. Elle incarne l'autorité des Borgia et des Templiers. Tuer un homme ne changera absolument rien. C'est pourquoi nous devons tarir la source de leur pouvoir. Aurais-tu dans l'idée de t'en remettre au peuple? Pourquoi pas? Ceux qui s'appuient sur le peuple bâtissent sur du sable. Tu as tort. Notre foi en l'humanité est au cœur de la confrérie des assassins. Ta foi vient d'être mise à rude épreuve. Allez, récupère l'argent qu'il t'a volé. Je t'attendrai au Capitole. Je dois y retrouver l'un de mes informateurs. Rends-moi mon argent! Reviens ici! Va-t'en vite, avant que je ne regrette de t'avoir épargné. Tu as affranchi ton argent des mains de notre ami? En effet. Une modeste victoire. Peu importe. Dans peu de temps, nous en remporterons beaucoup d'autres. Et dans peu de temps, Cesare nous fera payer notre arrogance. Et nous serons sous sa botte. Bien. Où est passé mon informateur? Il devrait déjà avoir intercepté la lettre. Suis-moi.
tard. Andiamo. Regarde cette mascarade de gouvernement. Le pape a bien compris que cet endroit lui sert de façade. Quel meilleur moyen de tromper tes amis du peuple? Depuis quand es-tu aussi cynique? Je ne me fais aucune illusion sur la Rome d'aujourd'hui. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Nous avons encore des alliés en ces murs. Mais pour combien de temps? Je l'ignore. Il a essayé de voler une lettre officielle du Vatican. Perdonatemi, signore, mais vous faites erreur. Pour qui est-ce que tu travailles, ladron? Je ne travaille pour personne. Dans ce cas, personne ne s'inquiétera de ton sort. Aspetta. Il faut aller péter à moi. Grazie. Où est-elle? Toujours entre les mains du messager. Ezio, arrête-le! Tu pourras me trouver au terme. Passer par là.
Je sais comment remonter.
Ce sera utile en cas de chute. Donc je passerai par là. Thank you.
les adeptes de Romulus. Cette bande de prétendus païens terrorise la ville depuis plusieurs mois. Tout cela pour ramener le peuple dans le giron de l'église. Très astucieux. En effet, les Borgias sont de connivence avec eux. Mais je ne puis le prouver. Voilà pourquoi cette lettre est si importante. La voici. Il ne te reste plus qu'à la déchiffrer. Cazzo, encore un de ces codes. Nous aurions dû pouvoir la lire. Ils se servent d'un code pour communiquer. Sans code, c'est illisible. La logique n'est pas toujours le seul moyen de gagner une guerre. Andiamo. Si nous avons des alliés dans cette ville, je dois les voir. Suis-moi. Partir de chez moi, n'arrêtez pas. Nous empruntons ces tunnels pour parcourir la ville en évitant les gardes. Mais sache que la plupart des entrées sont inutilisables. Grâce à ces tunnels, nous pouvons nous déplacer rapidement et sans rencontrer de résistance.